Je vous propose donc, pour le plaisir de l'intelligence et du cœur, un commentaire architectonique de ce fameux texte de la Genèse, la création du monde en 6-7 jours. C'est un texte hyper fameux, évidemment, mais un texte extrêmement difficile. Un texte souvent sous-estimé, c'est-à-dire un texte traité seulement comme un poème, alors que, évidemment, il s'agit d'un texte extrêmement élaboré du point de vue conceptuel, du point de vue de sa forme et de sa visée contemplative. Le tout, bien sûr, c'est un texte ancien. Soit qu'on choisisse la solution basse, qui serait de dire que ce texte a été écrit au retour de l'exil, autrement dit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait quand même 2500 ans par rapport à nous. Ou bien au contraire l'hypothèse haute, c'est-à-dire celle à laquelle prétend le texte, c'est-à-dire qu'elle est de la main de Moïse. Alors, du coup, ça fait 3400 ans. Et donc, c'est beaucoup. Ça implique que le texte est lointain par rapport à nous, qu'il s'exprime dans un langage qui ne nous est pas immédiatement accessible et qu'il nous faut être extrêmement attentifs pour pouvoir en tirer profit et ne pas le réduire à de la poésie. Et puisqu'on a affaire ici précisément à la question de l'interprétation du texte, avant de se lancer dans le détail, il est nécessaire de dire deux mots précisément de la manière par laquelle le monde antique s'exprimait, et donc la manière par laquelle Dieu ne cesse de nous parler, puisque nous reconnaissons, nous comme croyants, avec les juifs, qu'il s'agit d'un texte inspiré. Un texte inspiré, ça veut dire que c'est un texte qui a été écrit par un homme, mais un homme qui a été favorisé de la puissance de l'Esprit de Dieu pour pouvoir composer ce qu'il écrit. De telle sorte que le texte peut contenir beaucoup plus de sens que cela même que l'auteur pouvait lui-même comprendre. Le texte a en fait un double autorat. Il a bien sûr un auteur immédiat, celui qui écrit, mais comme le véritable auteur du texte, c'est Dieu, eh bien il peut se référer à bien des sens qui échappaient à l'écrivain sacré. C'est un principe fondamental pour nous de lecture du texte, c'est-à-dire que nous pouvons croire que bien que l'écrivain sacré n'ait pas eu en tête tout ce que nous pouvons comprendre du texte, néanmoins ce texte ne cesse de nous parler, de nous dire quelque chose, parce que Dieu est au-delà du temps, et par conséquent, il peut viser des réalités qui sont actuelles pour nous. C'est d'autant plus important que entre ce texte qui a soit 3400 ans, soit 2500 ans, ce texte se trouve nécessairement confronté avec le développement scientifique qui s'est réalisé depuis. Et comme c'est un texte qui parle de réalités très importantes, de réalités qui existent toujours, à savoir le monde, et que la science, elle, a produit un discours sur ce monde, nous sommes nécessairement invités à nous poser la question de quelle manière, eh bien, ce texte ancien, antique, rejoint ou ne rejoint pas ce que nous, désormais, nous connaissons, bien sûr, de ce monde par l'investigation scientifique. Alors, ici, le texte, puisqu'il a été écrit dans un autre contexte que celui de notre science,
ne peut pas nécessairement être en plein accord avec notre représentation du monde. C'est pourquoi l'Église, sur ce sujet, a véhément et définitivement condamné ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire l'idée que on devrait mettre sur le même plan le discours biblique et le discours scientifique. Et cela, pourquoi ? Parce que le procédé par lequel se produit le discours, à l'époque où il a été écrit s'agissant de la Bible, et aujourd'hui dans le contexte de la science, est absolument différent. Autrement dit, il n'y a aucun concordisme possible de type dialogique. C'est-à-dire que l'un et l'autre discours se réfèrent à une expérience du monde qui n'est pas concordante. Alors les sciences procèdent à partir de l'observation, et puis un certain nombre de concepts, notamment mathématiques, qui sont appliqués à cette observation, de telle sorte qu'ils produisent un discours rationnel, raisonné sur le réel. Alors que, évidemment, les anciens avaient une certaine observation du réel qui n'est sans commune mesure avec celle de nos microscopes ou avec celle de nos télescopes ou avec celle de nos spectres. Évidemment que entre l'expérience que les anciens avaient du monde il y a 3000 ans, déjà expérience sensible, spontanée, puis ensuite expérience mentale, c'est-à-dire par rapport à des a priori et des représentations, et l'expérience que nous avons, sensible, mentale et scientifique, il y a ici deux mondes. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de concordisme possible entre l'un et l'autre. Néanmoins, attention, l'un et l'autre parlent de la même réalité. Ils nous parlent de la lumière, ils nous parlent des planètes, ils nous parlent des plantes, ils nous parlent des animaux, ils nous parlent de la vache, ils nous parlent de l'humain, ils nous parlent d'un homme. Or, ces réalités-là, elles sont communes. Et donc, il va se faire, et c'est un des points quand même que nous devons mettre en relief et qui constitue notre propre admiration, il va se faire qu'il y ait du concordisme matériel. C'est-à-dire que sur une chose, tout d'un coup, eh bien, alors que les voix sont complètement différentes, on dit la même chose. Prenons un exemple très important, parce que c'est ce qui, entre autres, constitue une caractéristique du texte par rapport à toute la littérature antique. La Bible propose une création par étapes du cosmos. Or, avant la Bible, personne ne pensait comme ça. Et même après la Bible, personne ne pensait comme ça. Il faut attendre la science moderne pour qu'on reconnaisse que le monde est produit par étapes. Et globalement, les étapes qui sont ici proposées par la Bible, eh bien, sont conformes aux étapes que, aujourd'hui, l'expérience empirique éclairée par les mathématiques nous donne du monde. D'abord la lumière, ensuite la matière, enfin les planètes, c'est-à-dire le solide, enfin les systèmes solaires, puis les animaux aquatiques, enfin les animaux terrestres, et enfin l'homme. Rien que ce schéma-là constitue un point d'admiration, de concordisme matériel, parce que les raisons pour lesquelles la Bible, elle, développe ce schéma-là n'a rien à voir avec les raisons pour lesquelles la science le développe. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les voies d'argumentation sont complètement différentes, donc il n'y a pas de concordisme dialogique. Et pourtant, parce qu'on parle des mêmes choses, eh bien souvent, on va dire des mêmes choses, les mêmes choses. Et c'est ça qui est remarquable. Parce que, évidemment, que Moïse, si c'est lui l'auteur, ou Esdras et compagnie, si c'est lui l'auteur, de toute façon, n'avaient aucune idée de ce à quoi aujourd'hui les sciences empiriques peuvent dire de la réalité.
Alors le fondement le plus profond de cette capacité qu'a le texte inspiré de dire plus que ce que pouvait penser l'auteur humain de cet écrit tient à ce que la pensée procède d'après des processus absolument essentiels qui sont communs à toute forme de pensée. Et le processus le plus essentiel qui définit la pensée de chacun de nous et qui constitue notre parcours de progrès intellectuel depuis le premier moment où nous avons ouvert les yeux jusqu'au dernier où nous les fermerons, c'est l'usage de l'analogie. L'analogie, c'est la relation des relations. Nous connaissons le réel parce que nous ne cessons de diffaire des comparaisons. Et nous connaissons l'inconnu à partir du connu. C'est-à-dire que l'inconnu, nous y découvrons quelque chose qui est déjà connu. Et du coup, nous appréhendons l'inconnu à partir du connu. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va découvrir encore dans un autre inconnu quelque chose de connu qui était autrefois inconnu mais qui était pensé à partir d'un autre connu. Et on enchaîne ainsi des chaînes, nous faisant passer du connu à l'inconnu, du connu à l'inconnu, du connu à l'inconnu, et qui nous permet de pouvoir homogénéiser l'expérience du monde à partir de quoi ? Eh bien à partir de ce qu'on appelle l'affinité des formes. C'est-à-dire que malgré la diversité des choses, elles répondent à des caractères communs. Si bien que l'auteur antique, quand il parle de la lumière, quand il parle des planètes, quand il parle des animaux, eh bien il va utiliser des caractères saillants pour lui, qui va constituer sa science. Il va en tirer des analogies par rapport à des choses qu'il ne connaît pas. Et ces analogies-là, dépliées, constituent son discours scientifique sur le réel. De même, nous-mêmes, que faisons-nous ? Eh bien, on part de choses connues, et puis on déplie ainsi des comparaisons jusqu'à qualifier l'inconnu. Sauf que nous, on est basé sur une certaine expérience, alors que lui, il se base sur une autre expérience. Mais puisque parfois, sur les mêmes réalités, ces deux chaînes vont se croiser, on va dire les mêmes choses, des mêmes choses. Parfois, on va dire au contraire, des choses complètement différentes et peut-être même contradictoires. Parce que de sa perception d'une chose, l'homme antique va tirer des conclusions que nous, par exemple, aujourd'hui, on trouverait farfelues ou seulement analogiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur réelle par rapport à une certaine expérience du réel. En revanche, on pourra les qualifier de spirituels, on pourra les qualifier de analogiques entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire le rapport au monde divin. Donc le principe de l'analogie, qui est le principe même de la pensée, est utilisé dans le monde antique dans un état qui est par rapport à nous, c'est-à-dire 3000 ans après, primitif. C'est-à-dire que les analogies d'un homme d'il y a 3000 ans sont encore très proches de la perception sensible. Elles sont très concrètes. Alors que nous, en 3000 ans, on a accumulé tellement d'analogies que nous parlons de choses extrêmement abstraites. Mais en réalité, les mots que nous utilisons sont toujours des images très concrètes. Et un des truchements essentiels de la science, c'est de ne plus parler la science commune, pardon, le langage commun. Alors, pour parler faire simple, on va utiliser une langue morte pour dire quelque chose. Et puis après, la vraie science, elle crée carrément un langage. Le langage mathématique, le langage logique, le langage informatique, ce sont des langages entièrement créés pour pouvoir nommer de telle sorte qu'il y ait le moins de références possibles à la perception normale du réel et à l'usage des mots. Si je vous dis un atome, vous savez tout de suite de quoi on parle, alors que un, c'est un mot grec. Je défie même dans cette vénérable assistance
de trouver la moitié des gens qui savent dire quelle est la racine des deux mots, du mot et sa désinence. Et ensuite, si je vous le traduis, ça veut dire quelque chose d'indivisible, et ben voilà. Et alors, si je vous avais dit, maintenant je vais vous parler des indivisibles, vous auriez dit, de quoi parle-t-il ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi une autre langue pour pouvoir nommer précisément quelque chose à partir d'une analogie qui, elle, est concrète. Alors la difficulté de l'intelligence des textes anciens, c'est qu'eux, ils étaient encore 3000 ans de culture avant nous, et donc ils nageaient dans le concret. Ils nageaient dans les analogies sensibles, perceptibles, et du coup, ils ont dit des choses sur le réel, qui parfois sont extrêmement judicieuses et parfois pour nous, nous paraissent purement poétiques. Mais à nous de savoir justement discerner. Est-ce que c'est seulement poétique ou est-ce que c'est judicieux ? Est-ce que nous qualifions de poétique parce que nous attendons certaines choses et qu'on n'arrive plus à être sensible à l'intelligence du réel qu'ils avaient et qui, de ce fait-là, n'est plus seulement de la poésie, mais un profond analogisme. Alors je vais prendre un exemple très simple de ricochet analogique qui nous sert dans l'intelligence du texte biblique. L'analogie, c'est un rapport. Un rapport, c'est une relation entre deux termes. Et par conséquent, à la base de l'analogie, il y a la distinction entre deux termes. Il y a donc une dichotomie. Il faut distinguer. Et puis, pour des raisons que je ne vais pas ici approfondir, on ne peut pas distinguer deux choses si en fait on n'en distingue pas quatre. Parce que pour distinguer deux choses, il faut expliquer pourquoi elles sont différentes. Et donc, on les réfère encore à deux autres choses. Donc, tout acte de distinction est apparemment seulement dichotomique, parce qu'il vise à distinguer deux choses, mais en réalité, il est tétratomique immédiatement. Donc, nous verrons que dans la Bible, les analogies portent sur deux choses, mais en fait, on suppose immédiatement quatre. L'analogie est donc fondée sur la distinction dichotomique et tétratomique, et sur la perception immédiate concrète. Dans la Bible, précisément, il est dit de Dieu, c'est la première phrase que vous connaissez tous en hébreu, « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le verbe qui est utilisé pour dire « créer », c'est le verbe « bara », lequel verbe, initialement, signifie « couper, trancher ». Autrement dit, l'auteur inspiré dit « Dieu a créé en coupant ». C'est très intéressant, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le processus par lequel nous pensons fut le processus par lequel Dieu lui-même a produit le réel. C'est-à-dire, Dieu a créé en différenciant. Et ce que nous saisissons de différence, de distinction, ce sont des potentialités qui sont inscrites dans l'acte même créateur de Dieu. Et donc, l'acte de création chez Dieu est en même temps un acte de différenciation. Avènement à l'être et différenciation des essences, qu'il est pour nous pensable et que lorsque nous pensons exactement le réel. La distinction fondamentale dont se sert ici la Bible et qui est un exemple d'enchaînement analogique, c'est tout simplement la première phrase. Au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire créa en distinguant les cieux et la terre. Alors vous avez la terre là, et vous avez les cieux, n'est-ce pas ? Cette distinction-là est de l'ordre de la perception anthropologique primordiale. Et c'est à partir de là que Dieu,
que le discours théologique sur l'ordre de la création se développe. Alors, ce terme-là est appelé terre, et ce terme-là est appelé cieux. Saint pluriel, et vous notez tout de suite que vous ne pouvez pas distinguer la terre des cieux sans l'introduire dans d'autres relations. Par exemple, le bas et le haut. Ou encore, le solide et le gazeux, le non-solide. Le lieu où l'on vit et le lieu où nous, humains, ne pouvons pas vivre. C'est-à-dire que votre dichotomie n'est possible que parce que c'est une tétratomie. C'est-à-dire que vous vous référez à des termes par lesquels vous allez qualifier la distinction. Donc la Bible a utilisé le mot « terre » pour dire plein de choses en fonction du rebondissement analogique. Donc ici, évidemment, la terre signifie d'abord, alors vous avez le bas, on va le mettre là, vous avez le haut pour faire simple, voilà. Donc terre va signifier de façon générale ce qui est en bas, et cieux va signifier de façon générale ce qui est en haut. À partir de là, le sens premier, bien sûr, de la terre, ça va être le sol, et puis les cieux, eh bien, c'est ce qui est non-sol, on va mettre hors-sol. N'est-ce pas ? Ce qui est hors-sol. Et puis, à partir de là, évidemment, vous allez qualifier de terre ce qui est ce que dans notre langage à nous. Alors nous, vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le progrès de la culture, on ne se satisfait pas de la redondance de la même analogie. Alors on va changer les mots. Déjà, j'ai commencé terre, sol. Mais le mot terre va donc signifier aussi, par rapport à donc d'autres, un lexique postérieur, l'univers. Et j'utilise le mot univers au sens philosophique, l'universum, c'est-à-dire toutes les choses qui sont. Opposé à quoi ? À ce qui est transcendant, à ce qui est. Et autrement dit, à Dieu, de façon générale. L'univers des choses, si vous voulez, l'univers des choses, est Dieu. Dieu, ici, entendu d'abord comme transcendant, c'est-à-dire ce qui est au-delà des choses. Donc le langage biblique, lui, le langage biblique, il ne s'embête pas. À chaque fois, il va dire terre, terre, terre. Et là, il va dire cieux, cieux, cieux. Mais en fait, il ne désigne pas les mêmes choses. Alors, si vous voulez un peu d'hébreu, le mot terre, normalement, ça se dit aretz. Et cieux, ça se dit shamayim. Aretz, shamayim. Alors, sol est un mot qui va venir. Parce que quand il y a trop d'ambiguïté, à ce moment-là, on va introduire un langage. Donc, par exemple, un des mots essentiels, c'est Adama. Adama, pour dire sol. Pour ce qui est hors sol, ça restera Shamayim. Et puis, pour univers, il existe. On trouve dans la Bible un mot qui, globalement, signifie l'univers. C'est Tebel. Et puis, les cieux resteront Shamayim. D'accord ? Et puis la terre, ça désigne quoi encore ? Eh bien, ça va désigner notre planète. Alors le terme planète, bien sûr, c'est notre langage à nous. Hein, c'est notre langage à nous, planète. Et opposé à quoi ? Bah, aux autres planètes. Les autres planètes, on va les appeler d'un mot simple, les astres. D'accord ? Mais dans le texte biblique, on dira toujours terre. D'ailleurs, nous, on dit terre pour nommer notre planète. On a conservé. Alors, bien sûr, ils n'ont pas le même système cosmologique que nous, mais grosso modo, ils savent bien qu'on est à un endroit et qu'il y a d'autres endroits et qu'on tourne dans un...
où ensuite, après, il va y avoir des notions de le pays. Le pays. Alors, le pays, c'est le nôtre. Donc, si vous voulez, ça va être la nation. Mais dans la Bible, on parle de Eretz à chaque fois. C'est notre nation. Notre nation. Opposé à quoi? Eh bien, aux nations, justement. Aux nations. Les autres nations. C'est simplement pour vous expliquer le jeu analogique. C'est l'enchaînement d'une perception fondamentale. La perception fondamentale, c'est celle-là. On est sur un sol et on a au-dessus de soi des nuages. Et à partir de cette perception fondamentale, on établit tout un ensemble de distinctions analogiques. Et le langage de 3000 ans, c'est de nommer tout ça avec une seule perception. Shamaim ou Eretz. Alors que pourtant, nous, en 3000 ans, eh ben, on a distingué. Un coup, c'est du latin, un coup, c'est du grec, un coup, c'est du français. Voilà, on a essayé, on a varié les termes afin de varier les niveaux analogiques. Voilà, c'est simplement pour rendre compréhensible comment, si la Bible nous dit quelque chose, eh ben, elle peut se situer à des strates différentes de évolution scientifique de la compréhension et intelligence du réel. Alors, je vous propose rapidement comme ça une présentation globale de ces six jours tels que, il me semble, c'est le travail de plusieurs années, de plusieurs lectures, de plusieurs choses. Certains y retrouveront des lectures communes, d'autres trouveront des choses absolument originales de moi, mais de la valeur donc de ce texte. Les anciens étaient très sensibles à une distinction importante, c'est celle que l'on appelait les fameux quatre éléments du réel. Donc effectivement, la perception naturelle pose un sol dur en bas et un état céleste en haut. Les anciens, c'est-à-dire non seulement les Grecs, mais même bien avant, à l'époque de Moïse et encore bien avant, considéraient qu'il y avait quatre éléments fondamentaux. La terre, l'eau, l'air et le feu. Vous verrez tout de suite, si vous faites une comparaison de ces six jours, qu'ils sont en fait rangés en deux rangées de trois. Et que chacun, en fait, correspond à un des niveaux de la réalité matérielle définie par ces fameux éléments. Et vous noterez tout de suite qu'il y a un élément absent, qui est le feu. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans le monde antique, aussi ancien soit-il, alors aussi ancien, c'est-à-dire si on remonte à Moïse, a fortiori si on remonte à Esdras, c'est-à-dire moins ancien, retour de l'exil d'où? Eh bien de Babylonie, grâce à qui? Eh bien grâce aux Perses, qui eux adorent quoi? Le feu. C'est-à-dire que le feu est le symbole le plus archaïque, le plus fondamental de Dieu. Et donc il est normal qu'il n'y ait pas de feu dans la représentation ici du texte inspiré, parce que le feu c'est l'au-delà du réel. Simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, chrétiens, la bougie représente Dieu. On est au même niveau que les anciens, du point de vue symbolique. Le feu appartient à Dieu, et il est au-delà du réel dans la perspective ici biblique, parce que, justement, comme vous le savez, que ce soit Moïse ou ensuite, un des principes fondamentaux de la religion hébraïque, c'est de ne pas représenter. Donc, le feu est absent du système cosmologique, mais ça ne veut pas dire qu'il est absent en soi. Ça veut dire simplement qu'il est au-delà de la perception du monde. Il est transcendant. Et les jours s'enchaînent dans un mouvement qui va du plus caché au plus manifeste. Et ainsi, les jours s'enchaînent
de telle sorte que ce feu invisible, eh bien, va informer le réel, d'abord comme lumière, évidemment, c'est le premier fruit du feu, puis ensuite comme ordre, ordre du réel, puis après il se concrétise. Il se concrétise comme tel. Et encore, que tout ça, nous le verrons, appartient à l'ordre globalement de l'invisible. Nous verrons qu'il s'agit d'une lumière invisible, qu'il s'agit d'un ordre du monde invisible. Et lorsque l'on parle de la terre, il s'agit de la terre, pas seulement visible, mais de la terre comme totalité du réel. Et donc, pour nous, quelque chose d'absolument inexpérimentable. Alors, je sais bien que depuis... on fait des simulations, voilà, on s'imagine voir l'univers surgir du Big Bang et on a l'impression de pouvoir tenir l'univers. Mais enfin, l'univers, même avec la théorie du Big Bang, reste irreprésentable parce que précisément, il est la totalité. Et une fois que l'on sort de l'irreprésentable, alors surgissent les figures proprement visibles du monde, que sont d'abord les astres, puis ensuite le monde végétal, et les animaux aquatiques, et ensuite la terre et les animaux proprement terrestres, avec à son terme l'être humain. Donc le mouvement général de composition du texte est un mouvement de l'invisible vers le visible en un double mouvement. D'abord une hiérarchie à l'intérieur de l'invisibilité du cosmos, invisibilité relative, hein, ce n'est pas l'invisibilité absolue, et puis ensuite un mouvement de manifestation visible toujours plus grande de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme arrive à la fin comme quoi? Comme image et représentation de Dieu. Donc, au début, on a ce feu invisible qui surgit comme une étincelle de lumière, qui produit un monde se rendant toujours plus visible et toujours plus condensé jusqu'à l'image ultime de Dieu dans le champ du visible qui est l'être humain. Ça c'est donc, le mouvement général de la création. Et en suivant, à travers un rythme ici ternaire, les trois éléments fondamentaux du réel, je vous rappelle qu'en physique classique, hein, la matière passe par trois états. Le gazeux, le liquide et le solide. Ce sont des analogies fondamentales que le texte biblique ici met en place. Ça ne veut pas dire que Moïse était disciple d'Archimède, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'on parle des mêmes choses. Donc ces trois états, l'air, l'eau et la terre, sont les milieux au travers lesquels Dieu réalise l'œuvre de la création. Vous savez qu'il n'y a que 6 jours de création, c'est-à-dire 2 fois 3. Ici, je vous ai donné donc, un principe de décompte fondé sur les trois états de la matière, en deux séries parallèles, en y appliquant le principe d'invisibilité et le principe de manifestation. Une autre année, si Dieu veut, je vous expliquerai un autre principe de décompte, c'est-à-dire pour produire les 6 jours, le poids des 6 jours. Mais ça déjà me paraît assez beau et assez magnifique pour pouvoir être encadré dans votre chambre et être contemplé avec un livre. Mais, vous le savez comme moi, il y a un 7e jour qui, d'ailleurs, excède le système cosmologique, puisque c'est un jour, le dernier, où Dieu s'arrête, premièrement, et deuxièmement, c'est un jour où, justement, il n'y a pas de soir et il n'y a pas de matin. Effectivement, le deuxième principe de production des jours, c'est un principe de cyclicité. Mais il n'y a pas finalement que le 7e jour qui est compris dans le mouvement de création. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une structure fondamentale, c'est-à-dire un jour zéro, si vous voulez. Ce jour zéro, ce sont les fameuses premières lignes de la Bible. Parce qu'en fait, ce ne sont pas tout à fait des jours. C'est, je dirais, le fond
avec un S, sur le, à partir duquel, justement, Dieu produit ces six jours. C'est le fond fondamental. C'est pourquoi, on est, à partir du texte de la Genèse, on n'est pas obligé de reconnaître le principe de création ex nihilo, c'est-à-dire dans la conception philosophique du terme, c'est-à-dire produire à partir de rien, parce que d'une certaine façon, si, il y a quelque chose qui est posé. Alors, nous savons par ailleurs, l'expression ex nihilo apparaît une fois chez Isaïe et apparaît une fois dans le livre de la sagesse, et donc en vertu de ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire la cohérence de tout le livre biblique, par rétroaction, nous considérons que ce texte doit être compris comme impliquant la création ex nihilo. Mais quelqu'un du 3e millénaire avant Jésus-Christ, un Égyptien, un Mésopotamien, aurait été tout à fait d'accord avec Moïse, mais n'aurait pas pensé pour autant à la création ex nihilo. Il aurait dit, bah oui, il y avait les eaux primordiales, il y avait un gros abîme, et puis il a soufflé dessus, et puis à partir de là, le monde est venu. Tout dépend en fait, quels sont vos a priori pour le dire. Alors nous, effectivement, notre lecture impliquant la création ex nihilo exprimée dans les textes successifs, nous considérons que le premier verset, « Dieu créa les cieux et la terre », signifie « Dieu créa tout sans exception ». Et donc on part d'un zéro absolu. Mais on voit qu'il ne crée pas sans, je dirais, faire une pause. Une pause dans laquelle il définit la structure fondamentale du monde. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et aretz. La phrase comprend, pour ceux qui connaissent l'hébreu, à chaque fois une toute petite particularité. C'est que la phrase dit « Au commencement, Dieu créa, nous le savons en coupant, et les cieux, et la terre. » À chaque fois, il y a « et » qui est devant. C'est une construction grammaticale qui normalement signifie l'accusatif, c'est-à-dire le complément d'objet du verbe. Mais on peut faire une lecture subtile de ce « et » parce que le « et » absolument parlant, c'est un terme, alors en hébreu classique, ça veut dire complément d'objet du verbe. Mais être tout seul, ça veut dire l'existence. Les maronites, ils ne le savent pas, mais à la consécration du pain et du vin, chaque fois, Jésus dit « Ithao fafro, Ithao demo », le « ith », le « eth » est là. Et ça veut dire « c'est vraiment ». C'est pour de bon. Ça ne veut pas dire c'est simplement. Et le F veut dire l'existence. Autrement dit, la première phrase de la Bible, si on donne à F un sens fort, peut être au commencement, Dieu créa l'existence des cieux et l'existence de la terre. Il pose la possibilité avant de poser la réalisation. Ensuite, le mot F, il est vocalisé E. Mais vous pourriez très bien, si vous avez envie, le vocaliser autrement. Et notamment, si vous mettez O, alors vous mettez Os à Shamayim, Os à Aretz. Et alors, le mot Os, ça veut dire le signe. Autrement dit, la phrase pourrait très bien signifier au commencement, Dieu créa le sens de la terre et le sens des cieux. C'est-à-dire que la création est un acte de possibilité et à la fois un acte de signification. On est ici au cœur de l'agir divin. Évidemment que l'agir divin, avant de produire des choses, il produit du sens. Et c'est ça, bien sûr, qui nous va nous occuper pendant tout l'ensemble du texte, parce que faire une lecture religieuse, une lecture spirituelle du réel, c'est voir comment les choses ne sont pas que des choses, mais du sens, c'est-à-dire de découvrir la puissance symbolique et analogique des choses. Donc, au
si vous voulez, dans un acte, dans une lecture où on affirme absolument la création ex nihilo, on peut lire la première phrase comme si Dieu posait la possibilité et la signification des cieux et de la terre avant que proprement il les forme. Et alors dans ce cas-là, à partir de quoi il pose ces potentialités-là? Eh bien à partir des quatre termes fameux qui définissent le deuxième verset. La terre était tohu et bohu, la ténèbre était sur l'abîme, et l'Esprit de Dieu virevoltait sur les eaux. Pour le plaisir, je vous le dis en hébreu. Veha aretz haya tohu ovohu. Vechosher al penai tehom. Oruach Elohim merachefet al penai hamayim. Autrement dit, il y a quatre termes qui sont posés, qui constituent, je dirais, le matériau de l'agir créateur de Dieu, que sont de l'eau. Alors, mayim, mayim, ça veut dire l'eau. Mais là, puisqu'on est à un niveau analogique, on n'est pas simplement au niveau de l'eau que l'on boit ou de l'eau que l'on récolte à la rosée du matin ou de l'eau qui se trouve dans un ruisseau. Il s'agit d'eau primordiale. Donc une bonne traduction, ça serait des ondes. Il n'y a pas de différence entre ondes et eau. Sauf qu'il y a un, c'est concret, l'autre est analogique. Donc au commencement, il y a des ondes. Ah ah. Encore un coup, c'est conformiste. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comme moi, la théorie de la matière, c'est que la matière est ondulatoire. Donc, Dieu pose d'abord des ondes, très bien. Et au milieu de ces ondes, il y a un abîme sans lumière. Un abîme, c'est, alors, on pourrait faire un certain nombre de considérations sur cet abîme. Je vais m'arrêter à une interprétation, donc, entre guillemets, concordiste. L'abîme, normalement, c'est un grand trou. C'est-à-dire quelque chose qui va précisément fendre les ondes. Or, c'est quelque chose d'essentiel, parce que les ondes en soi, c'est l'indistinct. À partir du moment où vous faites des différences, bah, vous coupez le continuum matériel. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le principe de négation. C'est un principe de physique fondamental. Alors aujourd'hui, en physique contemporaine, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il n'y a pas longtemps, c'était encore il y a un siècle, c'est ce qu'on appelait le néant. Et oui, on supposait qu'il y avait du néant. Pour que séparer la table de l'air, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui sépare. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de néant. Donc, il n'y a plus ni de néant ni d'éther, c'est-à-dire une matière qui donnerait forme à la négation des choses. Aujourd'hui, on considère que les ondes sont excitées et qu'en vertu de leur excitation, elles produisent des différences. Et d'où vient la différence? Mystère et boule de gomme. Donc il faut bien effectivement que le continuum se néantise pour créer de la diversité. Et puis, il y a une terre. Alors la terre ici, évidemment, ce n'est pas encore notre terre. C'est simplement le fait qu'il y a quelque chose de différent de Dieu. Quelque chose qui s'oppose à Dieu. Donc ce continuum, il est posé dans une altérité d'avec Dieu et il constitue un espace. Donc dans notre langage, c'est ce qu'on appelle l'espace pur. Vous savez tous comme moi qu'en physique, c'est un gros problème. L'espace est-il fermé ou ouvert ? Que dans les théories actuelles, on veut fermer l'espace. Mais alors, si on ferme l'espace, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mystère et boule de gomme. Donc il faut bien ça. Il faut bien clore. Il faut bien clore d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous n'arrivez pas à créer, à produire. Donc vous avez ici le continuum ondulatoire. Vous avez un principe de négation. Vous avez un principe de clôture. Sinon, l'énergie. Et l'énergie, justement, le terme que j'attendais, c'est l'esprit. Ça souffle. Ça fait boum! Ça ne reste pas immobile, c'est dynamique. Donc vous voyez que la Bible représente dans son langage, à partir d'analogies très simples, liées à la. Alors,
On pourrait faire plein de comparaisons avec les Mésopotamiens et les Égyptiens, mais justement, l'intérêt de la Bible, de ce point de vue-là, c'est qu'elle commence le processus d'abstraction, ce que nos théologiens appelaient à une époque de démythologisation, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler de l'œuvre primordiale, on va parler de la terre, on ne va plus parler du souffle qui sort du nez de je sais quelle divinité, on va parler du souffle de Dieu. En plus, vous savez qu'ici le texte est un peu ambigu, du point de vue, une ambiguïté qui nous intéresse, parce que c'est écrit « Ruach Elohim », c'est-à-dire le sens idiomatique normal, c'est « Esprit de Dieu », mais vous pouvez aussi, si ça vous plaît, ne pas faire l'état construit, c'est-à-dire lire « Esprit Dieu », c'est-à-dire que l'Esprit est. Donc c'est ici une apparition linguistique du mystère de la divinité de l'Esprit comme personne autonome. Je vous rappelle que Elohim, qui signifie Dieu, est un pluriel. Autrement dit, le texte dit exactement « Au commencement, créa en coupant les dieux ». Je vous rappelle que dans la Bible, Dieu est toujours, enfin en tout cas lorsqu'il est utilisé ici, comme un pluriel. Donc c'est un singulier, c'est un pluriel qui a valeur de singulier. Donc c'est un autre mystère qui va dans notre sens, évidemment. Alors Elohim, en tant que pluriel, vous avez mille manières de le réduire. La réduction la plus drastique, c'est de dire en fait il s'agit d'anges. C'est-à-dire les dieux, ça veut dire les êtres angéliques. Ensuite, vous avez la méthode un peu moins drastique, c'est la méthode de dire que c'est un vouvoiement, c'est-à-dire c'est le pluriel de majesté. On dit les dieux parce que c'est tellement le dieu que c'est les dieux. Okay. Puis après, vous avez d'autres solutions, carrément, la solution aussi réductrice, c'est de dire, bah, la preuve, ils étaient polythéistes, il y avait plusieurs dieux, chacun avait sa petite fonction dans la création du monde. Et puis vous avez la lecture, bien sûr, chrétienne, c'est-à-dire de considérer que ce pluriel est voulu dans son unité pour exprimer le mystère du Dieu un et trine. Donc, la Bible pose une structure fondamentale de l'univers, que je trouve quand même super intéressante. Et à partir de là, à partir de ce positionnement premier, comme... possibilité des cieux et de la terre, alors a lieu le premier acte créateur proprement dit, à l'intérieur du cosmos, qui est le surgissement de la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est la lecture traditionnelle. Cette lumière, vous voyez tout de suite qu'elle surgit de Dieu, c'est bien, elle surgit en vertu d'un acte de parole, et il est clair que cette lumière n'a rien à voir avec la lumière des astres, avec la lumière du soleil, avec même la lumière du jour. Autrement dit, c'est une lumière qui n'a rien à voir avec la lumière observable. C'est une lumière primordiale. Et alors là, pour le coup, aussi, c'est l'objet d'un concordisme matériel, mais c'est, là, vous me direz, c'est du pur hasard. Il faut savoir que dans la théorie donc, du Big Bang et de la création du monde selon ce modèle, la matière donc, était écrasée, elle se décontracte. Et que normalement, la première particule qui échappe à la contraction des autres particules, ce sont les photons. Et donc, c'est la raison pour laquelle la première réalité observable du monde, c'est le flash par laquelle la lumière est sortie. Je dis que c'est un concordisme par hasard, parce qu'il n'y a manifestement aucun lien entre la théorie scientifique de la concrétion de la matière et de son extension, et ici un acte créateur de Dieu,
Mais notez que, donc sachez-le plutôt, que dans la Kabbale, c'est-à-dire l'explication mystique juive du Moyen-Âge, il est entendu que la matière qui surgit, c'est bien une matière à la fois divine et matérielle. Donc, tout à fait, c'est bien dans une perspective cosmologique. Néanmoins, ici, j'insisterai plutôt sur le fait que c'est une lumière vraiment première. Une lumière première. D'ailleurs, je vous rappelle qu'actuellement, la lumière qui est dans l'univers, et si je ne me trompe pas, à 90% dû au flash primordial et à peine à moins de 5% dû aux astres. C'est-à-dire que la quantité de matière première est bien plus importante que toutes les matières, toute la lumière produite depuis par l'incandescence des astres. Donc cette lumière première, en revanche, dans la Bible, c'est, comme je vous l'ai dit, le surgissement du feu divin dans le monde. Et ce surgissement, c'est pour nous un surgissement du sens, un surgissement de la signification. Pourquoi ? Eh bien parce que immédiatement Dieu dit, enfin le texte dit, que Dieu dit que la lumière était bonne. Vous imaginez bien que Dieu n'a pas besoin de voir que la lumière soit bonne. Et si l'écrivain le précise, c'est pourquoi ? Parce qu'il veut signifier deux choses. D'abord que la lumière est l'objet d'une vision. Donc, or, la vision est l'analogue de l'intelligence. Donc Dieu établit que la lumière est en fait lumière de l'intelligence. Et elle est bonne, ça veut dire quoi ? Ici, eh bien, il vaut mieux traduire « elle est bien ». Ce n'est pas un bon au sens que c'est bon à manger, mais bien moral. C'est un axe éthique. Autrement dit, c'est le surgissement de l'axiologie, des valeurs. Autrement dit, la lumière qui entre dans le monde et qui va être le principe à partir duquel le monde ensuite va être informé, eh bien, est le principe tout à la fois pour nous de notre intelligence du monde et de la valeur de nos actions. Ce que Dieu crée, c'est un monde intelligible et moral. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est bien pourquoi il le dit. Parce que, à votre avis, a-t-il besoin de se le dire ? Évidemment, non. Pourquoi Dieu parle ? Parce qu'il parle à qui ? Alors, dans la tradition juive, il parle aux anges. Parce que c'est les anges qui agissent. Dieu donne des ordres et les anges réalisent les ordres de Dieu. Mais vous notez qu'il y a dans le texte biblique, proprement dit, aucune relation aux anges, à moins de réduire Elohim à des anges. Mais ça veut dire quelque chose de bien plus profond. Ça veut dire que Dieu est parole. Et s'il est parole, il est adresse. Et s'il est adresse, il est conversation. Il est conversation avec qui ? Avec un interlocuteur. Cet interlocuteur, c'est sans doute les anges, mais à la fin, ce sera l'homme. Autrement dit, en introduisant le sens dans le cosmos encore informe, il fait introduire dans le cosmos la signification qui éclaire notre conscience, qui définit le cadre de l'action humaine et bien sûr la matière de notre parole. De notre parole, c'est-à-dire de notre dialogue avec Dieu. Ici, on est au cœur de notre vie d'homme, à savoir que nous ne pouvons pas penser sans parler. On voudrait bien penser plus qu'on parle, mais en fait, on n'y arrive pas. Autrement dit, c'est à travers ce dialogue de la conscience qui est un dialogue caché avec Dieu qui est parole en nous, que s'illumine en nous, eh bien, la conscience et après quoi, eh bien, l'agir. Donc c'est ce que Dieu pose tout à la fois, c'est la lumière de la conscience
le dialoguisme fondamental de la conscience et la possibilité de l'agir pour le bien. Et c'est bien pourquoi il distingue entre la lumière et les ténèbres. Normalement, la lumière n'a pas à se distinguer de la ténèbre. Et je vous ferai tout de suite noter que cette lumière, elle, n'apparaît pas sur fond de ténèbres. C'est Dieu qui pose la ténèbre, c'est-à-dire qui pose ce qui est contraire à la lumière. Dans la ténèbre, ici, on peut entendre plusieurs choses. On peut entendre ce qui est contraire à la lumière. C'est ce qui s'appelle le désordre opposé à l'ordre. Et puis aussi, il pose ce qui n'est pas contradictoire avec l'ordre, mais qui pourtant n'appartient pas à l'ordre et qui est l'aléatoire. Donc la lumière se manifeste comme ordre du monde, perçu dans le discours de notre conscience, et dans la mesure où il s'oppose ou bien au désordre total, ou bien à l'absence d'ordre, qui définit un aléatoire. Et alors, Dieu appelle. Vous voyez, ça c'est encore un point important. Dieu appelle la lumière jour, et il appelle la ténèbre nuit. C'est-à-dire que le terme de la lumière introduite dans le monde, c'est de créer un jour, c'est-à-dire un monde illuminé. Un monde illuminé. Et pour nous, nous devons accéder à cette réalité-là, à un monde qui est dans le grand jour de Dieu. À l'inverse, si on ne marche pas dans les voies de Dieu, eh bien le monde s'obscurcit et devient l'ennemi. Donc la lumière et la ténèbre ont comme, c'est pour ça que c'est présenté en quaternité, la lumière n'est que le processus par lequel on fait du monde tout entier un jour. Et si on ne marche pas dans la ténèbre, alors, dans la lumière, alors la ténèbre, l'absence de lumière, fait que l'ensemble du monde s'obscurcit comme une vie. Le texte ne nous dit pas que c'est le premier jour, contrairement à nos habitudes de français. Il ne dit pas « yom rishon », c'est la façon dont on devrait dire « premier jour », mais il dit « jour 1 », « yom echad », « jour 1 ». C'est-à-dire qu'il ne considère pas du tout ce jour-là, d'une certaine façon, comme le premier. Il considère que c'est plus que le premier, c'est le jour fondamental. Tous les autres jours ne sont possibles que parce que la lumière divine s'est introduite dans le cosmos et l'a mis en ordre de telle sorte qu'il devienne un beau jour. Un beau jour dans lequel nous pouvons évoluer avec une conscience illuminée et un agir sûr. C'est le jour, alors le thème de l'un, surtout dans le judaïsme évidemment, c'est un thème qui se réfère à Dieu. Ça veut dire que c'est le jour qui permet au monde d'être, de participer à la nature divine, d'être un reflet de Dieu lui-même. Yom Echad, ça veut dire Yom 1, c'est-à-dire jour Dieu, jour divin, jour qui est comme Dieu lui-même qui est un. Voici pour le sens de ces premières lignes et de ce premier jour. Donc Dieu pose une structure fondamentale qui est un continuum avec toutes les nécessités. Là-dessus, il introduit sa lumière, une lumière qui donc n'est pas créée dans l'absolu. Elle est un surgissement de son être. En revanche, elle entre dans le monde. Donc par rapport au monde, elle est un événement créateur. Elle est un événement créateur. Et elle fait que l'univers entier est homogène à sa parole. Et en vertu de l'ordre du sens, elle devient lumière de la conscience et environnement de notre agir.
Après, donc, cette introduction du sens dans la matière première, eh bien, justement, c'est la première distinction qui s'exprime, qui sort dans l'ordre du phénomène, même si c'est une distinction qui est, par rapport à nous, aujourd'hui, dans le monde phénoménal, invisible. C'est la distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui définissent le jour deuxième. Le jour deuxième, alors ça se dit sheni en arabe, sheni en arabe, en hébreu, sheni, sheni en arabe. Shan, normalement, shan, ça sonne, hein, il faut savoir qu'il y a des jeux de mots. Shan, shan, c'est comme sen, c'est-à-dire la date. Donc, le jour deuxième exprime justement la coupure. Et puis les dents, ce sont des séries. Donc, le deux vaut pour toute la série. Donc c'est le jour de la coupure, le jour de la série, ça y est, ça commence, le monde va se mettre en route, et il se met en route d'après toujours cette analogie fondamentale, c'est-à-dire qu'il reproduit dans sa structure ontologique l'analogie fondamentale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un monde terrestre, et vraiment un monde céleste. D'après la tradition juive, et la tradition chrétienne antique, le deuxième jour correspond à la création du monde angélique et du monde biologique. Mais il n'y a pas encore d'animaux, ça c'est le monde des vivants et le monde des anges. J'ai précisé hein, l'interprétation juive et l'interprétation chrétienne antique. Vous trouverez en revanche dans des auteurs mystiques plus tardifs que les anges correspondent à la lumière introduite au tout début. D'accord ? Thèse que je n'ai pas défendue. Vous avez pu noter. Moi, je renvoie la lumière primordiale à véritablement l'introduction du sens. C'est-à-dire quelque chose encore de plus radical que les anges. Alors que dans la tradition juive et la tradition chrétienne patristique et classique, non pas moderne, due à certains mystiques, les anges n'apparaissent qu'au deuxième jour. C'est-à-dire qu'il y a un monde céleste qui surgit et il y a un monde terrestre qui surgit. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en général, on explique que ce deuxième jour ne contient pas la formule « et Dieu vit que c'était bon » parce qu'on implique dans le surgissement du monde angélique aussi l'histoire de sa chute. Donc Dieu pleure le refus des anges de participer à la création, et même mieux que ça, le deuxième jour, c'est pas seulement le surgissement du monde céleste et le surgissement du monde terrestre, mais c'est la mise en place d'une clôture. Ce que dans notre langage nous appelons le firmament. Toujours d'après, hein, ça c'est. Alors, quand on croit que le firmament, quand on vous le donne à faire croire, on vous fait des petits dessins dans les livres de catéchisme, voilà, les anciens s'imaginaient les choses comme ça, voilà, il y a un petit firmament. Oui, pourquoi pas, mais c'est que parce qu'on se situe qu'au niveau de l'analogie fondamentale. En revanche, le texte, lui, ne se situe pas à ce niveau-là. Parce que le mot firmament est un mot latin, d'abord, avant d'être un mot français. Et firmamentum, ça veut dire quelque chose de ferme, quelque chose de dur. Et de fait, le mot hébreu, c'est rakia. Et rakia, ça veut dire quelque chose qui a été frappé au fer pour être bien ferme. Et donc l'idée ici, c'est pas seulement qu'il y a une séparation entre le monde céleste et le monde terrestre, mais que c'est une séparation dur, c'est qu'il y a eu une chute des anges et que la chute des anges a pour conséquence que le rapport entre les deux mondes n'est plus si fluide que ça. Et que c'est pas seulement la distinction, mais vraiment la séparation des deux mondes qui a lieu et qui fait que justement pour nous, le monde des anges, le monde céleste est invisible. Normalement, s'il n'y avait pas eu la chute des anges,
Et s'il n'y avait pas eu la chute des hommes après, eh bien nous verrions les anges. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le sentiment que le monde est un écran. Le phénomène visible du monde ne serait pas opaque, mais serait transparent. C'est-à-dire, nous verrions très bien comment les réalités matérielles sont en fait du sens. Mais à cause de l'enténèbrement de notre conscience et à cause de la chute des anges et des conséquences de cette chute, sur lesquelles je reviendrai plus tard, eh bien, le monde s'est refermé sur sa matérialité et a perdu de son expressivité symbolique. Et avec cette perte de l'expression symbolique, c'est ce que nous appelons la peine du dâme. C'est-à-dire le monde est opaque. Nous n'arrivons plus à traverser avec facilité le phénomène et à en comprendre le sens. Donc ce deuxième jour est un jour vraiment de chenille, pour le coup, tout est coupé. C'est un monde donc de rupture entre des ondes d'en haut et des ondes d'en bas. Donc aussi, je vous rappelle que selon la conception biblique, selon la conception antique, c'est-à-dire avant le XIIIe siècle, les anges sont dans la matière. C'est seulement Thomas d'Aquin qui a, par sa renommée, par son rayonnement, imposé l'idée que les êtres célestes fussent sans matière. Dans la conception antérieure à Thomas d'Aquin, les êtres célestes sont dans une matière dite de feu, inique, igneuse, une matière igneuse, c'est pour ça qu'on appelait ça l'empyrée, de pyros le feu. Donc la matière dans laquelle évoluent les êtres spirituels, c'est une matière qui n'est pas la nôtre, d'accord ? C'est un autre degré d'information ondulatoire. Nous, en revanche, on est dans une matière lourde, alors on ne sait pas comment la traduire, terreuse, voilà, on l'appelle terreuse. Terreuse, c'est la terre, c'est-à-dire c'est une certaine information des ondes primordiales, de telle sorte qu'effectivement, entre l'information de l'empyrée et l'information de la terre, bah, y a ici incompatibilité. Donc effectivement, les êtres angéliques évoluent et apparaissent avec des formes, hein, ils ont des corps, et en revanche, ils n'ont pas de chair, voilà, ils ne sont pas biologiques. Il ne faut pas confondre, hein, le corps c'est une chose, la chair c'en est une. Nous, on a les deux, on a un corps et une chair, eux, ils n'ont qu'un corps. Le corps étant l'inscription dans la matière, la manière dont nous nous distinguons du milieu ambiant. Donc les ondes d'en haut, c'est l'information du monde empyré, et les ondes d'en bas, c'est l'information de la matière terrestre. Et au milieu, eh bien, il y a une rupture qui fait que, malheureusement, le phénomène du monde est devenu opaque. Que notre rapport avec l'ange. Je vous rappelle que les anges ne sont pas là pour faire joli, les anges sont là pour faire le monde, pour le fabriquer. Donc ce sont les artisans du monde. Nous avons la chance d'appartenir à une époque merveilleuse, bien sûr, vous le savez tous. En particulier, nous en sommes à notre troisième siècle de mathématisation de la réalité. Malheureusement, les mathématiques sont mises au service de l'athéisme, mais on devrait plutôt y reconnaître notre merveilleuse participation à l'intelligence angélique, qui elle-même n'est qu'un reflet de l'intelligence divine, c'est-à-dire que tout a été créé selon des poids et mesures. Tout est mathématisable. Qui a permis cela? Eh bien, c'est les petits anges. Ils mathématisent toute la journée.
Et nous, on arrive à trouver quelques équations. C'est bien. La création se poursuit tranquillement. Une fois qu'on a posé le monde invisible, évidemment, et ben il pousse à l'extériorisation de l'acte créateur. Et c'est ainsi que surgit la Terre. Alors la Terre, là, pour le coup, elle commence à se faire plus solide. C'est plus simplement un espace différent de l'espace angélique. Le texte dit, et Dieu dit que se condensent les eaux. Donc c'est très intéressant, c'est une logique de condensation de la matière en dessous des cieux, et ainsi a lieu un lieu un. Alors en hébreu c'est El Makom Echad va Tere. Autrement dit, et alors apparut le solide, et il en fut ainsi. L'expression d'ailleurs, il en fut ainsi, apparaît à chaque jour, et même parfois il apparaît deux fois selon les jours. Il est ainsi, bien sûr c'est une formule poétique, mais derrière la formule poétique c'est une formule philosophique. Parce que l'expression c'est yéhié, qu'il soit. Ken, ken, ken. Si vous allez en Israël, vous verrez tous les juifs dire toute la journée ken, 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 ken. Ken aujourd'hui, ça veut dire oui. Mais ken, c'est ce qui se tient droit, ce qui est aussi juste. Les kine de nos chants maroniques, les justes. Kan, kin, kan, kon, c'est tout ce qui est correct, juste. Autrement dit, c'est ce qui définit un ordre. On pourrait appeler ça, et ce fut un régime de l'être, un régime de l'être. Et donc, la matière se condense, et ainsi surgit le solide. Et de ce solide, alors, va pouvoir y avoir lieu quoi ? Le makom. Alors, le mot qu'on utilise, donc en français, ils ont mis, hein, c'est un endroit ou un lieu. Voilà. Que ça masse en un seul endroit. Alors, le mot endroit est très important. C'est pour le coup une bonne traduction parce que endroit, ça veut dire se tenir droit. Autrement dit, s'il n'y avait pas de solide, on ne tiendrait pas droit. C'est important. Et la racine kom, c'est la racine donc de la station droite. Autrement dit, ce que Dieu rend possible, c'est la station droite, avec tout son symbolisme. Et bien sûr, son symbolisme ultime, c'est la résurrection. Grâce à la si Dieu n'avait pas fait solide, nous ne tiendrons pas debout. Si nous n'étions pas debout, nous ne pourrions pas exprimer la verticalité de Dieu. Donc ce troisième jour est un jour du point de vue symbolique et du point de vue analogique et même du point de vue ontologique absolument important parce que c'est la possibilité de la verticalité. Et la verticalité, ça veut dire l'ascension, ça veut dire aussi évidemment la station en face de Dieu, c'est la potentialité de la résurrection future. Alors cette verticalité, évidemment, on ne commence pas par la résurrection du Christ, non. On commence par des choses très simples et qui sont le monde végétal. Parce que le propre du végétal, c'est d'abord de tendre vers le haut. Alors attention, parce que la lecture habituelle, c'est de s'imaginer que les végétaux apparaissent au troisième jour. Parce que j'imagine que c'est comme ça qu'ils traduisent... La terre produisit de la verdure, deux points, des herbes portant semences, machin chose. Oui, mais ça c'est la traduction si on veut. Mais on peut aussi lier la phrase, c'est-à-dire que Dieu dit, deux points, que la terre produise. Autrement dit, on n'est pas encore dans la réalisation, on est seulement dans la potentialité. Autrement dit, le troisième jour, Dieu pose le solide comme socle de la verticalité, et cette verticalité
du point de vue cosmologique, va d'abord s'exprimer, bientôt, pas tout de suite, mais d'abord, comme l'avènement du règne végétal. Alors ici, c'est très important parce que dans la Bible, il y aura continuellement des relations analogiques entre l'homme et les plantes. L'homme et l'arbre. Et donc, il faut voir que la question de la verticalité, ici, est absolument fondamentale. Et qu'elle prend sa forme d'abord dans le végétal pour aboutir à la station droite de l'homme et puis plus tard à la résurrection du Christ. Comme le temps court, bien sûr, puisque c'est le but, je continue. Et donc, nous arrivons au terme de l'invisible. Pourquoi on est encore dans le champ de l'invisible? Parce que la terre, dans l'absolu, comme je l'ai dit, c'est une clôture qui excède notre représentation. Ensuite, le solide et la verticalité, c'est aussi une réalité, au fond, pas matérielle, c'est une réalité de sens. L'histoire des plantes, le texte ne s'arrête pas sur les plantes seulement. Le texte est hyper redondant, et si c'est redondant, ça veut dire que c'est intéressant. Il n'arrête pas de dire, je vous traduis pour vous. Il parle de plantes avec la semence qui est dans la semence qui ressort. Voilà. Il y a au moins 10 fois la formule des plantes, des semences. Pourquoi la semence? Quel est le sens? Eh bien, le sens, c'est que la semence, c'est l'invisible. Le propre du végétal, c'est que dans un petit être, tout d'un coup, va surgir un être immense. L'arbre est dans le gland. Voilà. Autrement dit, l'important, c'est la question de la manifestation dans le cachet. C'est le thème de la potentialité. Et derrière les semences, c'est le thème, de façon générale, des principes. Autrement dit, Dieu ici crée un monde avec des principes. Alors, le symbole primitif du principe, c'est la graine. Alors vous êtes des hommes du 21e siècle, vous auriez préféré d'autres images que ça. Mais voilà, dans le monde antique, quand on veut parler des réalités invisibles qui vont surgir dans le visible, des réalités dynamiques qui n'apparaissent pas tout de suite mais qui vont apparaître par leurs effets, et bien l'image par excellence, c'est la graine. Le royaume de Dieu est semblable à une graine. L'image fondamentale. On est bien sûr dans une époque agraire, et donc c'est l'image. Donc le thème ici du végétal, il ne faut pas se l'imaginer autrement que comme un thème ontologique. Dieu pose le solide et sa potentialité d'évolution à travers le vivant. Le vivant, attention, j'ai dit vivant, c'est trop, hein, à travers le végétal. Le végétal n'a pas d'âme, hein. C'est simplement des énergies sous forme de graines. Ce sont des énergies de développement. Des énergies de développement au sens le plus large du terme. Mais l'exemple le plus simple, le plus perceptible pour un homme antique, c'est l'arbre fruitier. Et pour nous, c'est la même chose, hein. Ça veut dire que dans le réel, on doit chercher les principes. Si on n'approfondit pas les principes, on ne comprendra pas les développements. Et Dieu vit que c'était très bon, ça veut dire que c'était très bien. C'est-à-dire que les principes définissent un cadre axiologique. C'est-à-dire le cadre d'une action moralement juste. Il nous faut respecter les principes, il nous faut respecter les graines. Autrement dit, il ne faut pas jouer avec elles. Tout le texte dit ça. Il créa les espèces, il créa les plantes selon leurs espèces. Avec des graines selon leurs espèces. Il répète 3 fois, selon les espèces. Donc ça veut dire que normalement, nous ne devons pas nous amuser à traficoter avec les espèces. Sans quoi, c'est l'ordre axiologique et ontologique, moral et tout ce que vous voulez, spirituel du monde, que nous pulvérisons. Maintenant, on passe au quatrième jour. Au quatrième jour, alors, on passe proprement dans le champ du visible. Le champ du visible, c'est quoi? C'est le champ de la lumière.
Et le champ de la lumière, bah, ce sont les astres. Les astres qui sont mis en place. Les astres qui sont mis en place. Notez que le végétal appartient donc au solide, c'est-à-dire au minéral. La Bible affirme la continuité du végétal et du minéral. Alors, ensuite, on passe aux astres. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire à la conception scientifique, hein, même si, bien sûr, pour nous, il faut d'abord qu'il y ait des astres pour que les plantes puissent surgir. Mais en tant que potentialité, elles sont d'abord là, comme développement dynamique du minéral. Puisque la deuxième rangée de jours définit l'ordre du manifesté, alors on se situe dans les airs, on remonte au niveau des airs, et on y étudie le système astronomique. Alors, évidemment, la conception astronomique des anciens est simplissime. Normalement, la Terre est au centre et les astres tournent autour. Ici, la Bible s'arrête seulement sur deux choses. D'abord, elle ne s'arrête pas beaucoup sur les astres. Étonnamment, même les astres arrivent en queue de phrase. Donc, les astres, je vous rappelle que pour les anciens, ce sont des réalités fixes. C'est ce qu'on appelle les étoiles fixes. Même si elles ne sont pas tout à fait fixes, parce que ça tourne, mais elles tournent de manière fixe. Et surtout, ce qui intéresse l'auteur, ce sont les deux luminaires, du jour et de la nuit, le soleil et la lune, en tant que régisseur de quoi ? Régisseur du temps. Et donc, c'est l'introduction de la donnée temporelle. Ah, bien sûr, on pourrait dire qu'il y avait déjà du temps avant. Oui, pour Dieu, mais pour nous, il n'y avait pas de temps. Pour nous, le temps n'est possible que parce que ça tourne autour de nous. Alors ça, c'est une chose, nous, comme modernes, on est incapables de comprendre. Peut-être que nos Libanaises seraient plus sensibles que nous à ça. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de montre avant. Même nos montres, il y a encore 50 ans, étaient réglées d'après le cours des astres. Maintenant, il y a les horloges atomiques. Avant les horloges atomiques, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas les astres qui tournent autour de nous, nous n'aurions pas la perception du temps. C'est une donnée fondamentale pour l'Antiquité. Alors, le paradoxe, c'est que c'est le quatrième jour. 4, ça se dit Reba. Et Reba, c'est la même racine que carré. Donc c'est amusant. Mais il n'y a pas de cercle sans carré et il n'y a pas de carré sans cercle. Ouais. Donc les astres tournent, introduisent la dimension temporelle dans le cosmos, au niveau en tout cas de la perception humaine, et de ce fait-là, elles permettent aussi de définir un espace habitable. C'est déjà le premier, pourrait-on dire, espace habitable. Donc c'est l'ordre du temps qui vient s'ajouter à l'ordre du sens, et qui permet alors, pas simplement un jour de conscience, ou bien une nuit de conscience, mais un jour proprement habitable et une nuit inhabitable, grâce au soleil et à la lune. Le texte dit que le soleil et la lune gouvernent. C'est la notion de gouvernance qui est ici remise en... Il y a des chefs et puis ce sont les astres. Le texte, lorsqu'il parle du temps, le texte dit qu'il dit ceci exactement. Et Dieu donc déposa les grands luminaires dans les cieux et il distingua entre le jour et la nuit afin que il soit des signes, othos, les moradim pour les rendez-vous, oleyamim et pour les jours, veshamim pour les années. Le premier terme est très important, moradim, ce sont les rendez-vous. Les rendez-vous, c'est quoi? C'est la religion. Pas de religion sans temporalité. Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme religieux? Eh bien, c'est justement de ne pas vivre au jour le jour. Mais c'est d'enchaîner les jours comme une histoire sainte. Et ensuite de sacraliser les moments sous la forme de mémoriaux pour justement
faire que le temps ne soit pas un simple continuum, brum, mais qu'il y ait une véritable cyclicité, une cyclicité qui permet de donner du sens au réel. Les jours ne se répètent pas. Tout à fait. Alors, le paradoxe, c'est ça, c'est qu'il faut un principe de répétition pour créer la non-répétition. C'est tout le jeu de la création du concept de temps. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'itération. Voilà. Sur fond de répétition neutre, qu'il y a des ruptures qui permettent de marquer des différences. Et donc d'entrer dans une histoire simple. Alors c'est très important parce que jusqu'ici on parlait de la création du monde, voilà, comme ça, mais en fait le monde est créé pour permettre une histoire sainte. Et une histoire sainte n'est possible que s'il y a temporalité sacrée. Je passe rapidement au cinquième jour. Au cinquième jour, le Dieu réalise des actes absolument nouveaux, puisqu'il crée des animaux. Alors, des animaux, ici, sont des vivants. Il introduit la vie. Il introduit la vie dans le cosmos. Jusqu'ici, il n'y avait pas proprement de vie. Néanmoins, la vie surgit de la matière. Le texte dit, par exemple, la première ligne, Voyomer Elohim Yirsheretsu Hamayim Sheretz Nefesh. Autrement dit. Et Dieu dit que grouillent les eaux d'un grouillement de souffle. Alors, c'est très intéressant. Très intéressant. C'est-à-dire que la Bible est d'une certaine façon pas du tout créationniste. Au sens où la Bible insiste au contraire sur la continuité. Voilà, c'est la matière qui, à un moment, fait surgir du vivant. De même que les végétaux sortaient du minéral, alors notez que le vivant ne sort pas du minéral directement, il ne sort pas des végétaux dans la Bible, mais il procède d'une dynamisation de la matière. Néanmoins, on y introduit une nefesh. Nefesh, une âme. Donc les animaux ont des âmes dans la Bible. Je vous rappelle que les animaux n'ont plus d'âme que seulement depuis Saint Thomas. Avant, ils avaient des âmes. Ils ont perdu leurs âmes avec Saint Thomas. Comme les anges ont perdu leur matière. Bon, avec tout mon respect pour Saint Thomas d'Aquin, par ailleurs. Mais bon, dans la doctrine traditionnelle, c'est-à-dire antique, il y a donc des âmes animales. Alors, pour le coup, Thomas, en tant qu'il est aristotélicien, récupère le concept d'âme animale, évidemment. Mais c'est nous qui faisons une lecture très réductrice. Alors, donc Dieu introduit un souffle. Alors, c'est très intéressant parce que le texte dit donc, on a dit, Dieu dit que grouillent les eaux d'un grouillement de souffle et qu'il y ait des oiseaux qui volent sur la terre et sur la surface du firmament des cieux. Et Dieu créa, Yibra, Elohim, et Hatamim. C'est-à-dire que la Bible reconnaît les deux. Elle reconnaît que le vivant surgit d'une dynamisation des eaux, mais en même temps, il y a une action de Dieu. Ça ne suffit pas, le matérialisme. Matérialisme, c'est-à-dire d'expliquer le vivant à partir de la matière, il y a un champ d'explication, tout à fait, il y a une continuité, mais en même temps, il y a un Yibra. Et on a vu que Bara s'était coupé. Donc Dieu intervient. Et alors, le premier produit de l'intervention de Dieu, en plus, c'est très amusant, c'est que Dieu. Les êtres qui sont créés, bien sûr, à partir des eaux, sont des êtres aquatiques. Donc la première forme de vie est aquatique. Et elle se développe sous la forme d'une quaternité très simple. Il y a les grouillants qui sont très proches, qui sont dans l'eau, mais alors à la limite ils se distinguent peu de l'eau. Puis après il y a les poissons
Ils sont bien distingués de l'eau, mais ils sont dans l'eau. Et les poissons eux-mêmes, il y a une autre catégorie que j'ai mise sur mon papier et que j'ai appelée les dragons. Parce que c'est le mot, c'est le mot. Et puis après, il y a les oiseaux. Et les oiseaux, dans la pensée antique, ce sont des oiseaux. Ce sont des poissons aussi. C'est-à-dire qu'ils nagent dans l'air. Et pour un antique, l'oiseau n'est qu'une forme ultime de poisson. Notez que là, on est en plein. On se croirait au musée de l'homme ou au musée des... Mince, comment ça s'appelle ? C'est à l'idée que les ailes sont en fait des nageoires. Mais l'Antiquité pensait comme ça, et la Bible pense comme ça. Et oui, vous voyez, c'est quand même fort. Mais dans la Bible, c'est pas par évolutionniste qu'elle le pense, c'est par analogie. C'est-à-dire que l'oiseau pousse quelque chose qui est un fluide au même titre que les poissons qui poussent l'eau. Et donc, c'est dans la même continuité analogique. Alors, au milieu, il y a les dragons. Et c'est exactement les premiers que Dieu crée dans la liste ici. Les dragons. Alors, les dragons, c'est le terme hébreu, c'est tannin. Alors, tannin, tout un registre. Alors, j'imagine, là, ils n'ont pas mis dragons, là. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont mis sans doute les monstres marins. Vous en avez dans d'autres traductions, sont les cétacés. Et puis, vous avez la traduction vraie qui est dragon, tout simplement. Alors, vous pourriez, dans une perspective concordiste, dire les grands sauriens, voilà, les dinosaures. Ils figurent là, ils sont en bonne position. Donc, effectivement, tout ce qui est le reptilien, donc en fait, c'est ça dont il s'agit, les grouillants, les poissons, les reptiles, les oiseaux, la structure là. Et, sauf que ce n'est pas seulement des petits reptiles, ce sont des gros. Et c'est pourquoi on les appelle dragons. Et ce sont des monstres. Et dans la Bible, ces monstres-là seront exterminés. Et c'est très important. On a plusieurs références de l'extermination des ténines, téninim dans la Bible. On a chez Isaïe, au moins une ou deux fois. Et dans les psaumes, vous l'avez aussi trois fois. Donc, Dieu a exterminé les ténines à un moment de l'histoire. Et heureusement, parce que s'ils étaient encore là, on ne serait pas là. Donc c'est très important, cette mention des grands sauriens, des grands monstres de l'Antiquité qui surgissent des eaux. Alors, ça nous renvoie à la notion du mal. Et ici, il y a un jeu de mots. C'est qu'un jeu de mots, mais bien sûr, puisqu'on est en pleine analogie, on peut se le permettre. Le jour cinquième, donc ça se dit Yom Hamishi, Hamas. Qui justement donne l'idée de violence. Donc, c'est le jour cinquième, et Anna est par jeu de mots lié à la thématique de la violence. Donc, le monde animal, alors jusqu'ici on était encore dans la paix, ça va, c'était plutôt un peu chaotique, mais lorsque surgit le vivant, surgit aussi quoi ? Qu'on va tous se bouffent tous les uns les autres. C'est le monde d'une violence généralisée. Dû, nous on le sait, au mystère de la chute des anges, etc. Mais voilà, le monde vivant est un monde de violence, et un des épisodes importants de la violence animalière, c'est l'épisode des grands dragons, qui a été tel que Dieu a dû intervenir pour les exterminer. Voilà l'idée générale. Qu'on a 2 minutes, je m'arrête sur le sixième jour. Donc le sixième jour dans la perspective, c'est toujours le processus de la sortie du potentiel vers le réalisé. Donc on sort encore plus des eaux et on se met debout. Donc ici, ce sont les animaux terrestres. Et les animaux terrestres participent toujours davantage à la station droite, c'est-à-dire ils sont au-dessus du sol. Donc, vous avez les vrais rampants. Alors, dans la Bible, est rampant pas seulement les reptiles.
mais tout animal qui est razmot. Donc, dans la Bible, le reptile, l'araignée et la souris sont de la même catégorie. C'est-à-dire, ils ont un ventre qui racle le sol. Ils ne décollent pas du sol. Et parce qu'ils ne décollent pas du sol, ils sont impurs. C'est fondamental. Ils sont impurs à cause de ça. À cause du fait qu'ils n'arrivent pas à décoller. Donc c'est d'abord ce que la Bible appelle la Rames, c'est tout ce qui rend. C'est-à-dire ils sont terrestres, ils sont sortis des eaux, c'est déjà mieux, c'est déjà pas mal, mais ils n'ont pas réussi à sortir de terre. Et puis après, on s'élève. Alors il y a les animaux sauvages qui sont sur les pattes, et puis il y a les bestiaux, et après il y a l'homme qui est proprement debout, en qui s'incarne la verticalité, et donc qui est image véritable de Dieu. Comme je n'ai pas le temps et qu'il faut que je m'arrête donc à une idée simple, mais qui est très importante, c'est que cette hiérarchisation des animaux est donc pas seulement liée à la question de la verticalité, elle est aussi liée à la relation qu'ont ces animaux avec l'homme, en tant que l'homme devient le dominateur du règne animal. Une domination qui n'est pas une domination violente, qui ne doit pas l'être, parce que le verbe par lequel la Bible dit que l'homme doit dominer les animaux, c'est le même verbe par lequel il dit, c'est un verbe qui a comme sens aussi le fait de descendre. Autrement dit, l'homme doit dominer le réel en épousant le réel. Donc la fameuse phrase de Dieu qui dit à l'homme, dominer sur le poisson, dominer sur l'oiseau, dominer sur etc. Ça veut dire descend en nous. Okay? Il y a de la part de l'homme le fait qu'il va humaniser les animaux. Et donc le mouvement inverse, c'est la domestication du monde animal. Et les animaux sont rangés en fonction de leur capacité à entrer en relation avec l'homme. Et donc les rampants n'ont aucun rapport avec l'homme. L'araignée, elle n'en a rien à faire de l'homme. Elle traverse, elle se balade. Mais là, il n'y a pas le moindre rapport de relation avec ces animaux. La souris, pareil. Elle fait son petit machin. Alors, je sais bien qu'il y a des saints qui ont parlé avec les souris, mais alors ceux-là, ils sont vraiment très forts. En revanche, les animaux sauvages, ce sont les animaux qui ont peur de l'homme. Et qui sont déjà dans une relation. C'est une relation triste, mais c'est quand même une relation. Ils sont sauvages, et ils refusent la domination humaine, la domestication, et ils constituent un... Mais ils ne sont pas indifférents à l'homme, comme l'est l'araignée. Et ils sont dans une relation, bien sûr, de distance. Et puis après, il y a les bestiaux. Les bestiaux, dans la Bible, behemoth, ce sont ces animaux qui sont domestiqués par l'homme. Alors, il y a bien sûr des degrés de domestication. La domestication d'une vache et la domestication d'un cheval et la domestication d'un chien, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Ben, oui, le réel est graduel. Mais pour la Bible, c'est une catégorie. La vache est un bestiau parce qu'elle entre dans l'univers de l'homme. Malgré elle. Mais elle y entre quand même. Et puis après, il y a proprement l'homme. Ici, c'est derrière la domestication, il y a le fait qu'il revient à l'homme d'humaniser toute la création. Il revient à l'homme de déifier, puisqu'il est l'image de Dieu, il revient d'imprimer l'image de Dieu sur l'ensemble de la création, et c'est bien sûr son rôle, c'est-à-dire de poursuivre la création afin de la conduire à faire d'elle un véritable royaume de Dieu. Ça renvoie derrière le thème de la domestication au thème de la maison. En fait, toute la création est une maison. Est une maison pour l'homme, pour que l'homme puisse domestiquer, c'est-à-dire faire de l'ensemble de l'univers une maison de Dieu, un temple de Dieu. Je vous rappelle que ça, c'est une, il y en a d'autres, c'est une des explications du grand B qui se trouve sur la première ligne d'écriture de la Bible. C'est une des anomalies d'écriture. Le B est trois fois plus gros.
que les autres lettres. B, pourquoi? Parce que B, ça vient de bêta, et bêta, ça vient de beth, et beth, ça veut dire la maison. Donc, toute la création est un grand B, c'est-à-dire un grand beth. Un grand beth, et alors c'est d'abord un grand beth de Dieu, où il met l'homme au centre, il a créé tout un univers. Mais ensuite, c'est à l'homme de dominer au sens noble du terme, c'est-à-dire d'être le seigneur de la maison de Dieu. Et c'est, les animaux ici sont rangés en fonction de leur capacité à entrer dans la relation domestique de l'homme. Je finis enfin sur un autre point sur lequel j'ai fini les fois précédentes. Bien sûr, après, je vais plus continuer. Il n'y a qu'au sujet de l'homme que la Bible parle de sexualité. C'est un paradoxe. Après, dans la deuxième version, on parlera des couples d'animaux. Mais dans la première version, hein, dans la version de la première page, il n'y a qu'au sujet de l'homme qu'il y a la mention du mâle et du femelle. Les animaux sont tous hormones. Et cela nous rappelle que la sexualité n'est pas animale. Et voilà, c'est la conclusion. Que la sexualité est en nous une expression de la nature même de Dieu. Et les animaux ont certes une sexualité, mais en fait c'est une pâle image de la vraie sexualité qui est la distinction du féminin et du masculin qui s'origine en Dieu. Car je vous rappelle que la phrase c'est « Créons l'homme à notre image et il les créa mâle et femelle ». À bon entendeur, salut. Autrement dit, ce n'est pas des animaux qu'on doit tirer notre sexualité, mais c'est de notre contemplation de Dieu. C'est en Dieu qu'elle se réalise en vérité. Allons dans la paix du Christ. Amen. Bonne soirée.